Coucou les beautés! Allez, aujourd'hui, qu'une petite minute simplement pour vous annoncer que samedi à 18h, l'heure du Paris, on va faire le prochain live. Et le live du samedi, ça va être le lifting avec les ventouses. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de vous qui attendent ce live. Alors préparez-vous les ventouses, préparez l'huile, préparez le grand sourire. Une heure et c'est parti, on va travailler sur le lifting du visage, on va faire un travail, une séance complète du début jusqu'à la fin et vous allez faire avec moi ensemble le lifting à partir de la... Mettez-vous, habillez-vous avec quelque chose qui vous avez la poitrine, le décolleté ouvert. Et on va travailler à partir de notre décolleté jusqu'au front, le lifting de notre visage. Voilà, alors samedi, je vous attends nombreux, je vous attends avec moi à 18h pour une heure du live. Et je veux répondre vite à une question. Il y a une question, une fille me dit, bonjour Dorina, quel exercice que tu fais chaque jour? Chaque jour, maintenant, j'ai commencé il y a déjà un mois, oui, il y a déjà un mois, 5 semaines, je pense, que je fais chaque jour cet exercice. Voilà, je me tire les cheveux tous les jours. Quand je me rappelle, je mets la main dans la tête et je commence à me tirer les cheveux. Les filles, cet exercice... à partir du 50 ans, a des résultats après 3-4 mois de travail chaque jour. Si votre peau bouge un tout petit peu, ça ne veut dire pas que là, vous allez résoudre le problème. Non. Pour décoller vraiment les fascias, pour décoller le muscle qui est collé à la tête, qui est collé au os, c'est un gros travail, ça se fait petit à petit, jour après jour, vous devez sur toute la cuir chevelure bouger la peau qui doit bouger de 2 à 3 cm dans toutes les directions. Alors c'est cet exercice que je le fais chaque jour. Gros bisous et on se voit samedi à 18h, allez pour le live. Ciao les filles et bonne journée, bonne semaine à tout le monde.